Ouais, mode aventure, donc en ce moment je suis sur la carte des mers, donc la carte liée à Wind Waker. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des trucs en haut à droite, les objets, ok. Et j'ai débloqué ça, ouais, c'est le dernier truc. Donc pour pouvoir le débloquer, il faut que je fasse cette mission. Et c'est parti. Voilà, nettement plus de persos. Enfin, nettement plus, je suis débloqué à partir de là, je crois. Donc, Midona, Link, je l'avais peut-être celui-là de Majora's Mask, Tingle, Linkle, elle, je l'avais, je crois. Le Skull Kid, Link Cartoon, là, il y a Tetra, c'est ça. Le Roi d'Hyrule, il y a même Medoli, c'est ça. Et elle, je l'avais débloqué, je crois, Marine de Link's Awakening. Bon là, vu que j'ai le droit de choisir, je vais prendre Link, qui est totalement boosté. Alors j'ai également débloqué plein de tenues. Hein. Le Skyward Sword. Ah putain, celui-là je vais le mettre. Je l'ai pas encore joué avec. Ah, il y a aussi celui-là qui est excellent. Legend of Zelda. Il fait bien Roots, quoi. Avec la belle mèche. Mais voilà. Bon, je verrai ça plus tard. Alors, deuxième personnage. Je sais pas si ça l'abrite, tiens, je vais prendre Lana. Et puis les fées, quoi. Donc maintenant j'ai 5 fées. Elle, je l'ai boostée à mort, là, niveau 70, quoi. Qui d'autre? Celle-là qui est pas mal. J'ai toujours pas utilisé sa capacité, qui est pourtant apparemment très violente. Et là, c'est la dernière que j'ai débloquée. Bon, pour l'instant, j'ai gardé Lumine. Ah merde! Bon, c'est pas, je permuterai. Je vais prendre Link avec l'épée de légende. Et c'est parti. Et donc, on peut jouer de l'ocarina pendant les menus de pause. Voilà, on peut s'amuser. Alors, ça, si vous reconnaissez. Attends, c'est. Attends, c'est quoi? Ah, je sais plus, attends. C'est ça, normalement. Voilà, je sais pas si vous avez reconnu, on dirait, mais c'est pas évident de jouer l'ocarina parce qu'il faut faire une direction plus les touches et parfois ça marche pas très bien. Et là j'ai eu un doute, faut dire je joue pas trop avec non plus. Lana, mais non, je vais prendre Link. Là c'est quoi? Faut que j'élimine un maximum d'ennemis dans le temps imparti. Alors pour avoir le rang A, faut éliminer un certain nombre d'ennemis. Ouais bref, ça va pas être des plus passionnants cette mission. Et voilà, là on retrouve des ennemis donc de Wind Waker, même la musique au fond. C'est plutôt pas mal avec le petit remix également. Attends, il va me lâcher un. Hop. C'est la meilleure attaque pour avoir le plus. Buter le plus de monde possible autour de soi. On va s'appuyer sur. Alors c'est quoi sur la manette? C'est X. Après, il est vachement boosté là. Enfin, je suis niveau 91 avec Link, ça commence à faire mal quoi. Alors, je sais pas si on va avoir des boss là. Ah, si, peut-être en haut là. C'est quand je vais montrer. Ah, si, là, il y a Link Cartoon. Voilà. Bon, on l'a vu 3 secondes. Est-ce qu'il y a un boss là? Non, c'est un convoyeur, je m'en fous. Je vais quand même péter ça, voir si elle. Parce que t'en as qu'il y a des rubis. Merde. Alors également, on a débloqué le maillet. Qui était pas dans la carte de base, je crois. Ça marche surtout sur certains boss, quoi. Parce que toi, j'ai envie de racheter le jeu. Je te comprends, mais surtout sur Switch, il est excellent, quoi. Enfin, je joue surtout en mode portable. Et en jeu portable, c'est juste énorme.
J'avoue que j'y ai pas mal joué pendant mes vacances là. Le soir, je joue souvent à ça quoi. Ça détend. Ah si, voilà, il y a le boss quoi. Boss de Wind Waker. Et donc justement, il faut le marteau contre lui. J'ai plus son nom. Le roi cuirasse. Juste attendre qu'il fasse une attaque parce que là, quasi immortel. Voilà, quand il fait ça, il plante sa tête et là, bim. Ça l'assomme et là, faut y aller. Voilà. Bon là c'est vraiment c'est pas la meilleure mission mais je suis obligé de la faire pour débloquer la suite. Attends, je vais prendre tous les sacs, pas que je les oublie. Il y a du Wind Waker ouais, puis il y en a d'autres. Alors après je sais pas s'il y aura les monstres liés au Tropus. Je te montrerai les cartes parce que je pense pas que ça y était sur la version Wii U. Parce que j'avais la version Wii U également. Mais j'avais aucun DLC. Puis il y a beaucoup de choses qui étaient sorties sur la version 3DS, mais putain, Hyrule Warriors sur 3DS, voilà quoi. Fallait en vouloir quand même. Hein. Surtout si ça avait pas la New 3DS. Ça ramait, mais comme pas possible quoi. Bah, il y avait le Majora's Mask. Je crois. Ouais, je pense surtout. Des jeux comme Cabal, ouais, Cabal. D'accord. Putain, je lis ton mail, ton message en retard. Et j'ai vu, hein, tu te jures. Ouais, ils ont sorti énormément de choses. C'est vraiment bah, la Definitive Edition. Hein. Ils ont pas menti là-dessus, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que je m'en lasse pas, quoi. Bon, à part si peut-être ces missions-là, où faut vraiment attendre d'être à zéro en haut. Je trouve ça dommage. Putain, mais le chat, il devrait pas être en bas, plutôt. Ouais, attends, le chat, il est mal placé, là. J'essaie de changer ça en même temps que je joue, mais c'est pas évident. Voilà, je l'ai mis en bas, ce sera mieux. Parce que là, ça se confondait avec les infos en haut. Ouais, non, mais là, je suis vraiment puissant. Bah, attends, pour changer un peu, je vais prendre Lana. Ah, d'ailleurs, j'ai jamais utilisé son... cette arme là, le portail de je sais pas quoi. Putain, elle est lente. Merde, putain. Ça affiche sur les deux là. C'est bon. Oh, c'est quoi ça? C'est une araignée? C'est quoi que j'ai sorti? Ah, le poulet. Excellent. Alors, je connais pas trop la cette arme là avec Lana, je l'ai débloquée récemment également. Putain, c'est excellent comme son poulet. Voilà, c'est fini. Je vais prendre les sacs avant que ça soit terminé. Ah, la bouffe pour la fée. Je pense que c'est bon. Ah, je peux pas changer avec Link, merde. Ah, c'était un goma. Ah oui, c'était l'araignée, oui. De... énorme, quoi. Ah bah tiens, je vais découvrir ça aussi. Pas mal.
Voilà, donc j'ai récupéré une grue. Ah, un portail qui se débloque sous une certaine condition. Appât universel, donc ça c'est pour Afé. Voilà, là, j'ai bien découvert la carte là. Alors, attends, je vais te montrer là vite fait. Faut que je sorte de là, voilà. Grosso modo, voilà, toutes les cartes qu'il y a sur cette version. Donc il y avait ça sur Wii U, là je saurais pas te dire, là il y a une carte avancée de Wind Waker. Voilà, qui est apparemment plus dur, c'est la Master Quest du... La carte, bon ça tu la connais cette carte là, classique. Faut que j'aille débloquer ça, il me reste ça. Mais faut que j'améliore Midona parce que j'arrive pas à avoir un... avoir un bon niveau avec elle là pour l'instant. Enfin, je pourrais la booster maintenant. Carte du crépuscule. Ça c'est Twilight Princess. Qui a l'air sympa à faire. Carte de Termina, donc ça c'est. T'as dû le voir, c'est Majora's Mask. Ça, c'est Link's Awakening. Et pour te montrer ici, il y a l'œuf. Alors au début je savais même pas qu'il y avait un objectif dans les cartes. Je croyais qu'on se baladait juste sur la map comme ça. Mais en fait non, il y a une fin quoi. Par exemple pour celle-ci, il faut aller donc au dernier donjon qui se trouve là. Et buter Ganon. Et on finit la carte. En fait il y a une fin à chaque carte. Moi je croyais que non, c'était juste de l'exploration comme ça. Mais non, il y a bien un but, hein. C'est comme ici là ce que je suis en train de faire. Mon but est d'arriver là. Pour affronter sans doute Ganondorf. Et pour ça je dois faire tout le chemin, par contre j'ai pas le choix là, faut vraiment que je fasse tout le chemin, tout le tour. Pour arriver là, et ensuite ouvrir là, et y aller quoi. Donc c'est... je savais pas ça, mais je trouve ça cool du coup. Carte de la grande aventure. Alors ça, c'est Spirit Tracks. On connaît les rails. Donc il y a des choses à faire, bon je connais très très mal. Alors par contre il y a des trucs bien pétés à débloquer, hein. Il y a des armes niveau 4+. Mais après, comme on voit ici, la difficulté en héroïque. C'est vrai que pour l'instant, je me balade parce que je suis toujours en facile. Mais au fur et à mesure, ça va devenir compliqué. Héroïque, c'est horrible. Carte de le roule. Et ça, c'est donc Between Worlds sur 3DS. Alors, je pourrais bien débloquer celui-là, mais j'ai pas d'item d'exploration. Mais voilà. Et donc les cartes bonus, ça c'est quand on prend tous les Skulltula, qu'on arrive à faire donc une illustration complète, on débloque des morceaux de cartes. Et là par contre, cette carte là, je sais pas ce que ça représente. Est-ce que c'est Zelda 2? Je crois pas, mais... Je saurais pas dire comme ça, c'est pas Zelda 2, mais... Je sais pas quel Zelda c'est quoi. On pourrait dire le premier, mais non. C'est peut-être une nouvelle map faite pour... je sais pas. J'aurais pas à dire. Bref, je vais reprendre où j'en étais. Sur Red Warriors plus DLC, ça va quand même être le plus complet en spin-off des... Ouais, bah en tout cas, il est très très complet. Hein. Alors là, je suis obligé de faire celle-ci quand même. 1400 dans le temps imparti, ok. Alors, il faudrait que je prenne Linkle pour avoir le cœur. Et je vais gagner une feuille mojo. Ah bah c'est bon. Il suffit que je la prenne. Ah, elle a les bottes. Attends, je me rappelle pas ce que c'est les bottes. Ah, j'ai débloqué ça, mais j'ai pas vu ce que c'était. Tiens, je vais mettre l'eau. Bon, je vais prendre un autre personnage quand même pour le live. Parce que sinon, là, je farmerai avec Link encore. Hein. Jouer de mon côté. Je sais pas, tiens, je vais prendre Zelda. Il y a quoi comme tenue? Skyward Sword. Breath of the Wild, je crois que je l'avais montré. Hein. Je sais pas si j'avais joué avec elle sur l'autre live. Ouais. Je vais la prendre comme ça. Ah c'est clair, non mais Link je l'adore vraiment quoi, il a vraiment des coups bien sympas, surtout son attaque circulaire quoi. Et Zelda est bien aussi quoi.
Ah, je suis au cac. Énorme. Attends. Ah, c'est la musique de Crypt of the Necrodancer. Alors, il y a peut-être pas énormément de musique dans ce jeu, mais elles sont excellentes, quoi. On enchaîne bien. Oh, je fais mal, quand même. Je fais mal avec elle. Je suis niveau 1 et 47, quand même. Ah, c'est ça, les Y. Enfin, bouton X. Ganondorf, il est pas fan à jouer. Bah, je suis pas hyper fan. En fait, il est trop lent, mais c'est sûr qu'il est, il fait mal, mais j'aime pas trop jouer avec lui, quoi. Enfin, Tingle, c'est peut-être un des pires. Hein. Est-ce qu'il y a un perso abusé? Je sais pas, je dirais Link. Link, franchement, il fait, il est très très fort. Hein. Ah, voyons, ça fait quoi ça? Mais c'est pas ça que je voulais. Bah. J'ai pas fait A. Bon, c'est pas grave. Alors j'ai 20 minutes pour faire 400 morts. Pour vous dire que ça va être torché, quoi. Je prends un peu Zelda. Là, j'étais trop loin. Ah, mais il y a une Zelda ennemie aussi. Bien ce coup aussi. Faire 4 attaques. Et là. Il y a plein d'ennemis, c'est efficace. Voilà. Je vais reprendre un peu Linkle. Alors, que je pourrais me faire. Non, mais c'est surtout au niveau de ses coups, quoi. Tiens, on va essayer ça. C'est vraiment une guerrière, Linkle, hein. C'est excellent, quoi. Par contre, j'avance pas là au niveau des morts. Alors attends, je reprends l'aile, je suis chargé. Je vais m'incruster dans. Faut que je trouve du monde. Putain, j'étais trop loin. Faut me les buter, les gros, parce que ça, quand ils meurent, il y a toujours des petits sbires qui apparaissent. Oh, fait chier, hein. Ça va être long. J'ai plus de. Putain, j'ai fait quoi là? Je connaissais pas ça.
Voilà. Alors. Oui, c'est. DWN. Ah ouais, mais je connais pas Dynasty Warriors. Dragon's Quest Heroes. Moi j'en ai fait un, j'ai fait le premier. J'avais fait une grosse pause à un moment parce que j'en avais marre. Je l'ai repris, je l'ai quand même fini. Je l'ai trouvé sympa, mais voilà. Je préfère largement Hyrule Warriors. Disons que ça me parle plus quoi que. Dragon's Quest, je connais pas trop. Et bah, Zelda, par contre, oui, ça. Je les connais très bien. Enfin, très bien. Moi j'ai joué à tous les opus. À part sur CDI, bien sûr. Mais bon, c'était pas non plus dégueulasse, quoi. Ouais, t'es marrant, elle. Cool, donc j'ai pas de trucs à revendre. Je vais faire un petit tour, quand même, là, dans les badges. Ah, là, ça débloque, là. C'est quoi je peux avoir, là? Pour Sia, je peux avoir une nouvelle... Ah ouais, mais putain... C'est quoi le truc? L'armée débordante. Je suis pas très fort avec Sia. Moi je vais la booster. Voici. Ah, par contre faut que j'explore avant. Alors c'est quoi là? C'est quoi ce truc là? En bas? Ah c'est truc les tourniquets là? Attends voyons. Si je fais plus, je peux savoir à quoi ça s'utilise. Ouais c'est ça. Les moulins à vent. Alors faut que j'utilise la feuille là-dessus. C'est bon. Bah je vais essayer, je vais la booster s'il y a avant. À moins que j'ai un deuxième perso et là je prends Link. Oh putain, j'ai pouvoir. Mais bon, je vais la prendre. Attends, c'était avant. Ouais. Je peux pas la booster au niveau des patchs. Je peux pas aller très haut. On s'en fout. Je vais quand même voir pour les autres, vite fait. Ah, mais j'ai plus de fric. Ah non, c'est rien. Effet, peut-être. Je vais peut-être booster celle des ténèbres. Excel. Oh vache, putain, j'ai plein de trucs. Faudrait que je la booste niveau 20, ce serait pas mal. Faut aller jusqu'à niveau 40 pour elle. J'ai tout là, non? J'ai toujours rien en ténèbres pour ça. Ça donne beaucoup ça. 3, ok. Le problème c'est que je sais pas ce que ça fait ça. Ah merde, ça m'a viré le truc en or là. Vous rend invincible mais baisse les dégâts infligés. Persévérance. Ouais, non, attends, je mets le truc en or là. Ça c'est cool. Là. Mais vous met à l'article de la mort la moindre attaque ennemie reçue. C'est pas grave ça. Allez, c'est bon. Bonsoir, Yang DHS. Ah, elle, c'est les ténèbres. En solution de secours, c'est la merde. Il y a Link. Et en guignol, je vais prendre l'autre.
Putain, je peux pas trop dire grand chose, hein. Je connais très mal les Musou, donc Dynasty Warriors, tout ça, je peux pas donner un avis là-dessus, quoi. Il y a des School tout là, hein. Faut pas que j'oublie. Alors, non, c'est pas ça, c'est ça. Ça, c'est pas mal. Je sais pas si ça y était sur la version Wii U. Bon, en fait, quand on allait voir la liste d'efforts, tu sais à quel endroit tu as un coffre. Parce que je l'ai découvert bah, sur cette version Switch. Mais peut-être que ça existait sur Wii U. Quoi. Alors, en haut et en bas, ok. Et donc, School tout là, j'imagine, c'est 1000. Ok. Là. Bon, je fais quand même des dégâts. Escorter les plantons jusqu'à leur destination. Okay, je vais prendre l'autre alors. Skill jaune. Oh super. Je vais aller loin avec lui, mais bon. Putain, mais. Tellement bourré de charisme ce personnage. C'est mon boss. Je vais sécuriser cet endroit. Sauver l'autre qui est en bas. Il y en a deux de toute façon. Passé ou pas là ? Toujours en train de se battre. Un Dark Souls, ça. C'est bon. Alors, il est où ? Il y va, est-ce qu'il s'en va? Attends, je crois que j'ai assez bien déblayé le chemin là. Ah, c'est bon, il est lancé là. Ah, il est là-bas, planton. Attends, il y avait un coffre hein, sur celui du bas, je crois. Quoi? Bah il est arrivé. Ah putain, c'est celui d'en haut à gauche là qui est mort. Ah putain, c'est. Ok, bah, c'est pas grave. On va le refaire, mais il faudrait que j'aille bien plus vite. Mais ça sert à rien, je vais le faire quand même. Putain, c'est con qu'il ait pas alerté disant que bah, il était au. Ou alors j'ai pas bien vu. Je suis moins concentré hein, évidemment en live.
Normalement, il y a un message pour dire qu'il va bientôt crever, donc faut le sauver tout de suite. Hop, je fonce direct. Pas mal les Dark Link. Ah, je suis chez moi là. Cassez-vous là. Alors je vais me dépêcher, ensuite je vais prendre Link. Il est où Link? Ah, il est en bas. Là, je l'ai vu là. J'ai vu le message. Il est où? Putain, mais c'est pas une aide là, celui que j'ai là. Toujours mieux que rien, mais bon. Est-ce que je peux charger ma barre là? Ah, c'est. Attends. Hop. C'est quoi cette attaque de merde? Statue en or. Allez, mais vas-y, va à ta destination, toi. Il est où? C'est lui, il est parti. Yes. Oh merde. Oh putain! Ah, je l'ai jamais vu, lui. En armure, là. Sous-estime pas Tingle. Ah mais j'imagine qu'il a un truc pété quoi, parce que bon. Allez, c'est bon. J'ai nettoyé la zone. Ah, c'est comme un troll hein, ce perso quoi. Merde, il va là ce con. Ok, où est le boss? Okay. Allez, vas-y. Putain, j'espère qu'il n'y a plus d'escorte après ça. Ok, c'est bon. Bon, je vais me faire le fort en haut, comme ça j'aurai un coffre. Je suis presque à 1000 aussi. Bon, à 1000, je prends un Link. Hein. Je fonce. Bon, ce coup tout là, je sais pas où elle va être, mais.
Allez, vite. Ok, c'est le boss. Et voilà. Ah merde, c'est Sia. Oh, putain, il y a la sculpture dans 20 ans. On va m'occuper de ça, priorité. Putain, mais c'est où le chemin? Alors, je me concentre sur le son. Faut que la musique s'arrête, quoi. Ah, c'est par là. Ouais, c'est là. Faire ce fort en attendant. J'espère qu'il n'y a pas de condition de. Où est le fort? Il est au centre, il n'y a personne qui attaque. Ouais, c'est quand même super rapide hein, cette attaque. Alors faut que Sia aille en haut, faut que j'oublie. Hop. Ah, c'est qu'un petit coffre. C'est pas... Par contre, elle est loin, je crois. Je suis où? Ah putain, y'a rien pour se téléporter en plus. Oh. C'est à 1000 km quoi. Putain merde, on va attaquer ma base, je crois. En tout cas, c'est lequel que vous pouvez conseiller comme jeu de ce style pour un joueur comme moi qui connaît très mal, qui connaît que Hyrule Warriors et qui aime bien parce que j'aime l'univers. Ok, ça c'est cool. Warriors 2, 4-2. Même si je connais pas du tout quoi. Ouais, je vais en terminer. Tetra. Donc j'ai chopé une arme, et l'arme c'est pour Sia, si je dis pas de conneries. Il est bientôt 2h, ouais, je vais peut-être pas tarder non plus. Bon, c'était une petite session là de... d'Hyrule Warriors. De toute façon... Alors c'est ça, Sceptre d'Éveilleur. Pierre, il faut attaquer... spécial pour étonner temporairement l'élément ténèbres, il peut être affecté par le recul. Bon bah à voir hein, ce que ça vaut. Ah putain, alors ça par contre c'est un truc qui est chiant. Ah ouais, ça fait vraiment plus mal hein. Parce qu'il faut tout le temps vendre les armes.
Alors, je pense qu'il y a 0. Et ceux qui n'ont pas beaucoup d'étoiles. Alors, l'éveilleur, non, je vais pas le vendre. Ça, je m'en fous. Bon, allez. Antenne Abjidja. On va dire que c'est bon. Et voilà, un morceau de plus. Voilà, et en fait la deuxième Skulltula, il faut refaire la map, réussir la première mission, donc ce qui est dans ce cas escorter plutôt les gars là, et ensuite prendre 4 ou 5 forts, et ensuite ça va apparaître. Alors, c'est un peu toujours comme ça, les araignées sur ces cartes là, toujours la même condition quoi. Ok, non mais je vais m'arrêter là, parce que ouais, ça fait vraiment... On commence à faire tard, et je commence à être naze. C'était vraiment une petite session pour, voilà, sans prise de tête, de fin de live. J'en referai peut-être un plus tard en live comme ça, en fin de live, c'est toujours sympa. Et c'est sûr que le temps passe vite, quoi. Très bien.